Pacific Ocean, Arctic and Antarctic Ocean, Mediterranean. Scientists warn us plastic pollution. Hello. We, the students from the Premier Erasmus class, are traveling during our lessons going aboard the Terra ship. It's a 36-meter schooner based in Lorient, a very long ecological boat. For many years, it has been sailing on oceans in order to better study the effects of global warming to make people better understand the climate emergency. The Terra arouses our curiosity by exploring and trying to solve scientific issues because our common future is at risk. We encourage you all to also follow its progression on different social networks. Thank you for your attention. Nos élèves de première à seconde seront les ambassadeurs sur les thèmes de l'année. Ils seront amenés à bouger, à l'étranger, rencontrer nos partenaires. Mais il faut vraiment que l'école, le collège, le lycée Notre-Dame de Kerbertran se saisissent aussi de ces opportunités, de ces thèmes fondamentaux, pour pouvoir les faire vivre au quotidien, à la fois dans notre enceinte, dans nos structures, mais aussi dans votre quotidien, dans vos familles, dans vos associations entre amis. L'urgence climatique est quelque chose qui est essentiel pour nous et l'environnement numérique sain, bienveillant est essentiel pour les générations de demain. On vous donne juste quelques éléments sur le programme de ces deux jours. Tout le monde ne les vivra peut-être pas, mais c'est pour montrer un peu comment ça va se dérouler. Cet après-midi, une partie des élèves de 3e classe européenne vivront un escape game et l'autre partie demain matin. À 10h, d'autres camarades vivront un atelier culinaire autour des repas européens. Ce midi à la cantine, il a été imaginé un repas aussi original sur le thème. Donc ça devrait être agréable pour tous. N'hésitez pas ce midi, dans ces cas-là, à remercier les cuisiniers qui se sont investis dans ce projet aujourd'hui. Merci pour eux. Et demain après-midi, au théâtre, pour les élèves de première, il y aura des interventions, des témoignages en visio de scientifiques, de spécialistes sur les thèmes concernés. Je remercie l'ensemble du comité de pilotage, les enseignants, le personnel EGEC, qui ont mis en place ces deux jours. C'est un vrai investissement pour ce début des Erasmus Days. C'est un projet qui tient à cœur à nos établissements. Donc on peut aussi les applaudir, ils le méritent.